Hey, salut tout le monde! Et bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo de Borderlands Pre-Sequel où je vais vous montrer un petit bug exploit. Histoire que vous vous fassiez un petit peu de thunes et beaucoup de moonstone extrêmement facilement. Et pour cela, on va exploiter les bonus de loyauté. Donc qu'est-ce que les bonus de loyauté? Ce sont des bonus que les nouveaux personnages vont avoir au début d'une partie. Si jamais vous avez déjà d'autres sauvegardes de jeux Borderlands sur votre PC. Et donc il s'avère qu'il y a un bug exploit pour farmer en fait ces récompenses de loyauté. Donc, sans plus attendre, je vais vous montrer comment faire. Donc vous avez votre personnage ici. Donc là j'ai mon personnage principal qui est 50. Je peux vous montrer avec un autre perso, avec mon Athena level 6, ça va marcher exactement pareil. Mais en tout cas. Une fois que vous avez votre personnage sélectionné, vous faites New Game. Donc vous passez la séquence d'intro avec en tapant sur Escape. Et lorsque vous êtes sur l'écran de sélection du personnage, vous faites quitter. Vous faites encore échappe et vous quittez pour atteindre le menu principal. Sur ce menu principal, vous allez sélectionner votre personnage, votre difficulté s'il y a lieu, et faire continuer. Et il s'avère que le jeu va vous donner les récompenses qui étaient destinées au nouveau personnage que vous vouliez créer, mais dont on a annulé la création. Donc vous voyez ici, on a gagné des Moonstones. Je n'étais pas à 500 avant. Je vous montrerai sur un autre perso qui n'en avait quasiment pas. Et on a en plus récupérer les armes de récompense que vous avez lorsque vous créez un nouveau perso. Et donc, vu que j'ai chargé un niveau 50, eh ben on a des armes niveau 50. Donc, je vais vous remontrer sur un autre personnage. On va sélectionner par exemple Athéna. On va continuer. Je vais vous montrer un petit peu son équipement actuel. Vous le voyez, j'ai 72. J'ai 72 Moonstone Shard. On va simplement quitter la partie. Faire New Game. Faire Escape. Revenir au menu principal. Sélectionner Athéna. Continuer. Et voilà, deux loyalty bonus, 30 moonstone et deux armes. Nous sommes maintenant à 102 moonstone et vous pouvez faire ça autant de fois que vous voulez. Ce qui vous permet donc d'avoir un apport infini de moonstone. Donc par exemple, pour acheter toutes les upgrades d'inventaire ou de munitions de vos armes, pour faire du crafting au niveau du grinder. Ou n'importe quelle autre chose que vous pourriez faire avec des Moonstones, par exemple ouvrir des coffres spéciaux, des coffres Luneshine. Voilà, je recharge le perso encore une fois. Et voilà, deux items plus 30 Moonstones. Et à chaque fois que vous faites ce petit exploit, vous allez vous retrouver avec une copie des deux armes que vous avez normalement au début du jeu. Ce qui vous fait en plus un petit apport d'argent, vu que vous pouvez tout simplement vendre ces armes hein, immédiatement. Alors, elles se vendent pas très cher, hein, bien sûr, mais ça fait toujours un petit apport garanti de thunes, ce qui peut vous permettre de vous équiper un petit peu plus correctement avec les marchands. Voilà, donc un petit exploit tout simple, profitez-en. Tant qu'il n'est pas patché, je pense que ça va être un des premiers trucs qui va être modifié par le premier gros patch du jeu. Toujours est-il que c'est un bug extrêmement utile pour se faire des porteurs. Donc des personnages qui ne vont servir qu'à porter d'autres objets. Vous n'allez pas les jouer, vous allez juste vous en servir comme banque, en fait, comme réserve d'objets. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo tutoriel vous a aidé. Et rendez-vous bientôt pour une autre vidéo de Borderlands Pre-Sequel. Allez, salut tout le monde, des bisous.